Bon matin les voyageurs, on est en ce moment à Rivière-du-Loup qui est notre premier stop et c'est également notre première journée défi hiver en Gaspésie. Il nous reste d'ailleurs 5h30 de route avec Marie-Pierre qui est juste là. On a passé une super belle nuit, fait qu'on est prête, on est en forme, on va avoir de la musique, on va avoir des beaux paysages, fait qu'une route magnifique et on s'en va à New Richmond. Qui va être notre point final pour démarrer nos défis hiver. Fait que c'est parti! Toujours de revenir au chalet après notre premier défi, le fat bike, et honnêtement c'était une activité méga dure et super physique, mais qui tout de même était vraiment le fun malgré le moins 40 degrés qu'on a eu ce soir. Ouais, tout un défi physique vraiment. S'il y en a qui veulent se donner un défi et accomplir une activité qui en demande gros sur le corps, allez-y, le fat bike, c'est vraiment une activité exigeante. Là, on est épuisé, on a comme plus d'énergie, c'est qu'on est comme prête à aller se coucher. Mais pour résumer la journée d'aujourd'hui, on a débuté avec un road trip dans les plus beaux paysages de la Gaspésie. On a vu des chaînes montagneuses, on a vu une route qui passait à travers la forêt, c'était juste incroyable. Et on a eu un petit arrêt chez Tourisme Gaspésie. Et on a eu le droit à un petit sac cadeau dans lequel on a eu des chaussettes avec marqué Gaspésie dessus. On a eu une tasse Gaspésie avec une boule de chocolat qui se transforme en chocolat chaud. Fait que ça va comme nous réconforter, je pense, demain quand on va être bien crevé après la journée. On a eu des petits pins de la Gaspésie et un guide de la Gaspésie. Fait comme le kit parfait pour venir faire notre séjour défi hiver. Le kit après-ski idéal. C'est ça. Et demain, on a une grosse journée qui nous attend. Ski alpin, un rallye comme une chasse au trésor. Hockey bottine. Et on finit la soirée avec un restaurant à New Richmond, où on va pouvoir comme observer les étoiles, puis visiter un peu. Et si on a le temps dans tout ça, mais vraiment si on a le temps, on fait des glissades dans la neige. Fait qu'une journée qui est vraiment chargée et très physique encore. Fait que je pense que demain, on va être encore dans un pire état que ce que vous nous voyez en ce moment. Alors on a vraiment besoin d'avoir du fun dans la neige parce que il fait pas frette au Québec. Même si actuellement, il fait moins 40 degrés. Mais on est équipés. On est équipés. Merci à la cordée, on est équipés. Puis on va être bien. Vraiment. Fait que sortez de chez vous, puis demain, on vous prouve qu'on va avoir du fun dans la neige, tout ça. Donc, à demain!
Salut tout le monde, on vient tout juste de revenir au chalet après notre deuxième défi. On a passé toute la matinée à faire du ski alpin et à faire un rallye où on devait répondre à des questions, trouver des objets perdus. C'était vraiment le fun. Ce qui est cool avec ce rallye, c'est qu'on a pu découvrir différentes pistes. Mm-hmm. Puis on a vu des paysages qui étaient super beaux, vraiment vraiment. On n'est pas trop raqué de la veille, je pense. Enfin, pour moi, ça va. Non, ça va. Pour le deuxième défi, on ne sait pas encore qui l'a remporté. On va le savoir tout à l'heure avec un événement après-ski où il y a des musiciens qui vont venir. Il va y avoir une remise de prix. Et à mon avis, c'est clairement Marie-Pierre qui a gagné. Parce que les moi, deux, j'ai... on a très bien fait ça. On a très bien fait ça. Beau travail d'équipe. Travail d'équipe, mais c'est quand même elle qui a gagné. On va se le dire. On est full excité, pas trop fatigué. On a quand même beaucoup d'énergie encore à faire plein de choses. Donc j'espère que vous êtes prêts pour la suite parce qu'il y a encore plein d'aventures qui s'en viennent. Bon matin, on est notre dernier jour de défi hiver à la station Pain Rouge. Je viens tout juste de me réveiller, je suis claquée, j'ai des courbatures partout. Entre le ski, le hockey bottine, plus les glissades qu'on a fait hier, je suis morte, mais j'ai trop bien dormi. Puis ce matin, je me réveille et j'ouvre mes volets et là, je vois quoi ? C'est pas mal le temps qu'il fait pour la journée. Il nous reste une activité qui est le ski adapté, qui est en fait une activité pour les personnes qui sont handicapées ou qui veulent apprendre à skier. Et nous, on va tester ça aujourd'hui. Donc, je vais me préparer, je vais me réveiller doucement et je vais aller réaliser le dernier défi. Fait que souhaitez-moi bonne chance parce que c'est la dernière occasion que je vais avoir pour gagner le défi hiver pas fret au Québec. Donc, c'est parti! Fait que le défi hiver, c'est fini. On termine notre séjour en Gaspésie avec des souvenirs plein la mémoire. Ce fut extraordinaire. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'activités. On est morte. Épuisée. Littéralement. Mais un bon épuisement. Comme c'était génial. Pour vrai, on remercie Voyage Numérique, on remercie Tourisme Gaspésie et la station Pain Rouge pour ce voyage de presse qui était fabuleux et qui nous a donné l'envie de revenir en Gaspésie en été et en hiver. Même s'il faisait froid, honnêtement, on a tellement trippé à être dehors qu'on n'a même pas ressenti la fraîcheur qui nous guettait. On a vraiment trippé. Donc là, on se retourne à Montréal avec un petit 10 heures de route. Puis nous, on se retrouve bientôt pour un nouveau vlog. Et on dit au revoir à Marie-Pierre de Nomade, mais qu'on va retrouver, j'en suis sûre, dans d'autres vlogs parce que c'est la famille. Fait que je vous fais plein de bisous et à bientôt. Bye.